Eh bien yo les abos, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel, on se retrouve pour une petite vidéo numéro 2, tuto. Donc cette fois-ci, on va pas faire de micro-spinner, vu que la dernière fois c'était le tuto du micro-spinner, mais on va faire un spinnerbait, parce qu'on me l'a demandé, et j'ai demandé à des gens si ça les intéressait que je fasse un tuto pour un spinnerbait. Donc ça c'est un petit spinnerbait que j'ai réalisé maison, avec un petit montage shallow que j'ai aussi réalisé maison. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, il nous faut un petit peu de tout comme matériel pour faire un petit peu un spinnerbait. Donc là, on va sans plus tarder passer à l'atelier. Donc on se dit à tout de suite. Et bah cette fois-ci, nous revoilà à l'atelier. Donc pour ce qu'il nous faut pour faire un spinnerbait, c'est de la corde à piano. Voilà, moi j'ai toujours celle-ci, je n'ai pas changé pour l'instant vu que j'avais que celle-là. Donc pour faire un spinnerbait, on a plusieurs choix. Alors le mieux pour faire un spinnerbait, c'est minimum 70 centièmes. Après ça varie jusqu'à 120 centièmes, on a du 80 centièmes, du 90, du 100, du 110 et 120 centièmes. Alors par contre, je vous l'avouerai que plus on augmente en fonction de la taille du centième qu'on veut, plus c'est dur à plier. Alors il existe une machine que j'ai vue que je pense m'acheter plus tard si je vais réaliser des gros spinnerbaits pour le brochet. Et voilà. Et avec cette machine en fait on peut plier tout type de corde à piano qu'on veut, même du 120 centièmes apparemment. Donc voilà. Donc cette fois-ci c'est parti pour le tuto. Donc nous voilà sur l'atelier cette fois-ci. Donc il nous faut un petit bout de corde à piano de on va dire 20 cm. Moi j'ai pas, mais j'ai à peu près ce petit bout de corde à piano de 15 cm, même un peu plus. Donc voilà. Donc, moi je les avais déjà coupés dans ton ancien tuto. Donc ce qu'il nous faut, c'est comme d'habitude, il faut qu'on fasse un sortissage. Donc on est reparti comme la dernière fois. On prend notre petit bout de corde à piano, notre petite pince. Donc comme l'autre jour, on mesure à peu près 3 ou 4 cm. Moi je le fais à la main levée. Donc on replace la pince comme l'autre jour, comme ceci. Alors, ce qu'il faut faire absolument, c'est prendre le droit, celui-là, de la main gauche, par exemple, si vous êtes droitier. Donc vous pliez comme ceci. Faire un angle droit pour l'instant. Ensuite, vous prenez votre main, vous prenez votre pouce, vous essayez d'aplatir et de faire tourner tout en même temps afin d'obtenir un truc comme ceci. Voilà, une petite boucle sympa. Ensuite, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça fait un angle à peu près à 90 degrés. La dernière fois j'ai dit 45, je me suis trompé, je vous l'avoue. Je me suis rendu compte juste après avoir fait le montage vidéo. Donc tac, on reprend la pince comme ceci, on la met bien à plat. On vient tirer le petit bout d'excédent et faire le tour. Donc moi comme d'habitude j'en fais plusieurs. Ensuite on fait bien attention que notre petite bulle, notre petite boucle genère reste bien droite. Évidemment montrer de près, ça je vous l'avoue. Que c'est pas les GoPro qu'il faudrait, c'est un appareil photo ou une connerie comme ça, mais ça c'est ce que j'achèterai plus tard. Donc, tac, on continue, on n'hésite pas à faire plusieurs tours. Donc voilà, on obtient de nouveau un petit sortissage comme ceci. Je vous montrerai des photos parce que je crois qu'on voit rien du tout. Et c'est pas grave. Donc on coupe de nouveau le petit bout d'excédent comme ceci, avec la pince coupante.
Ensuite, on vient aplatir le petit bout qui dépasse comme l'autre jour. Ensuite, on prend le petit plombal comme celui-ci. On vient l'enfiler de la façon comme cela. Alors là, on a le trou qu'on a un peu agrossi pour la fonction justement que ce soit une question de discrétion et que notre petit cerclissage rentre à l'intérieur. Et on dirait que ça ne rentre pas. Si ça rentre, voilà. Donc voilà, on obtient à peu près un truc comme cela. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire de nouveau un angle de 45 degrés. Donc, comme la dernière fois, on prend le plomb à l'angle droit. On peut le plier à la main. Comme ceci. Voilà. Alors ensuite, on va prendre à peu près 4-5 cm pour faire notre petite boucle du spinnerbait. Donc comme tout à l'heure, on va prendre la main du haut, on va faire une rotation. Donc comme l'autre jour, on vient faire une petite boucle comme ceci et ensuite on fait un petit entourage de corde à piano en fonction que notre petite boucle n'ait pas besoin de colle ou quoi que ce soit. Voilà, on obtient un truc dans ce genre-là. Ensuite, on va faire comme l'autre jour, on va faire quelques centimètres de moins. Là, on va prendre 3 cm et demi à peu près, et ensuite, on va venir faire une boucle. Donc, on vient faire 3 cm et demi. On fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une petite rotation avec une main. Voilà, on obtient notre petite boucle comme ceci. Donc avant, ce qu'il faut faire, que la dernière fois j'ai fait en boulette que je voulais expliquer, c'est que on prend notre petit anneau barillé comme ceci, un anneau barillé de 10. Donc voilà, on a mis notre petit anneau barillé de 10 comme ceci,
le petit sertissage. Ensuite, ce qu'il nous faut, vu que c'est du 10, il nous faut un anneau barillé de 10, toujours pareil, comme ceci. Désolé, j'ai des gros doigts, je voulais l'ouvrir. Ce paysan montrait un petit truc comme ceci. Voilà, anneau barillé, anneau brisé de 10, pardon. Donc ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va le clipser à l'arrière, comme ce, au niveau d'ici, vu que le... l'anneau barillé est déjà clipsé au niveau de l'avant du sertissage. Donc on va prendre notre petite pince à anneau brisé de chez Rapala. Bon, tout le monde sait comment ça marche. Rien de compliqué. On prend le petit bec, on essaie de faire clipser entre les deux couches. À fonction que celle-ci sépare l'autre. On obtient un truc un peu dans ce style, je sais pas si vous verrez bien, c'est pas évident. Donc voilà, on va venir mettre notre petit anneau barillé. Tac, comme ceci. Et ensuite, on va venir le faire glisser dans le bon sens, parce que sinon, ce qui se passe, bah, ça le défait. Et il faudra en faire. Donc voilà. Vous pouvez le faire à la main ou à la pince, c'est vous qui voyez. Si je continue comme ça, j'aurais fait une bêtise. Le mieux, c'est en général, c'est de prendre la pince. On met un coup plat dessus, comme ceci, et on vient tirer doucement. Pas trop fort, en fonction que ça abîme pas trop l'anneau brisé. Donc voilà, notre petit anneau brisé est mis. Donc là, ce qu'il nous reste, c'est à mettre la petite palette. Alors moi, sur les spinnerbait, je choisis des palettes feuilles de saule. Alors moi, c'est une ancienne palette de chez Caparan que je ne pêche plus trop avec ce spinnerbait vu qu'il ne va pas sur une de mes cannes. Donc voilà, j'ai pris une palette feuilles de saule. Bon, c'est une de chez Caparan, mais après, je vais en acheter plus tard. C'est juste qu'avec le Covid-19, on ne pourra rien acheter. Donc voilà. Donc voilà, une petite palette feuilles de saule. Comme vous pouvez le voir, c'est assez plat. C'est assez sympa, je crois que la dimension, si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, la palette fait 5 cm, donc voilà, c'est une palette de 5 cm de long, voilà, comme ceci. Les gens qu'on les trompe, de toute façon ceux qui pêchent avec du caperlan. Ensuite, on vient de nouveau prendre la pince à anneau brisé. Comme ceci. Donc ensuite, on va prendre la palette feuille de saule. On fait attention à bien la mettre dans le bon sens qu'on veut. Il n'y a pas de sens, je vous le dirai. Il faut juste la mettre et après la faire glisser. Donc pareil, soit vous faites à la main, c'est pareil, c'est chiant. Le mieux c'est quand même de le faire encore la pince. Donc voilà, notre petit spinnerbait est fait. Il ne reste plus qu'à mettre en dessous un hameçon ou ce que vous. Ceci. Donc voilà, on obtient un montage comme cela. Hop. Et là derrière, on va venir mettre ce qu'on veut, genre texan, on peut y mettre un leur soupe le normal, après ça fait un peu con, ou alors vous mettez juste un hameçon, c'est vous qui voyez. Moi perso, je pense que je vais le mettre en texan parce que c'est un, comme vous avez pu le voir, le spinner en soi il est pas grand du tout, c'est un petit spinner bait que j'ai fait parce que vu que justement c'est du 14 cm du 15 cm de corde à piano que j'ai, du coup ce qui se passe, bah, quand on fait le spinner bait,
on consomme pas mal de cordes à piano. Bon, ce qu'il vous faut, c'est plus à mon avis du 20, entre 20 et 25 cm de cordes à piano. Ce sera mieux que du 15 cm. Vous pourrez faire un spinnerbait plus volumineux. Donc ça, c'est un spinnerbait. Bon, je vous l'accorde, il n'est pas très grand. Mais comparé à un micro spinner, comme ceci, ce sont deux choses différentes. Alors de 1, on a la palette, qui est totalement différente. Ensuite, on a quoi? On a les matériels tels que les anneaux brisés, ou alors les anneaux barillés. Ensuite, on a le plomb, comme vous pouvez le voir. Ce sont deux plombs différents quand même. Et ensuite, bah après, pour le spinner bait, les autres différences qu'il y a à savoir avec le micro spinner, c'est que un micro spinner se fait avec du 70 centièmes maximum. Et le spinner bait qui va jusqu'au 120 maximum. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager surtout.